Eh bien, salut les abonnés, ça y est, le Pass Navigo est officiellement arrivé sur notre smartphone, surtout sur iOS pour les gens qui ont des iPhones, c'est tout nouveau, puisque sur Android c'était déjà effectif depuis quelques années, mais c'était pas compatible avec tous les téléphones. Alors je vais faire le test avec mon Samsung et ensuite on continuera le test avec mon iPhone. Vous voyez, ça fonctionne super bien, c'est classe. On va continuer le test sur le quai du RER E en direction de la Défense. Alors je fais un test éteint et vous allez voir, ça fonctionne pas. Donc si vous avez plus de batterie, bah, vous pourrez pas utiliser votre téléphone pour passer avec. Donc vous voyez, avec mon Samsung ça fonctionne pas. Faudra bien que votre téléphone soit allumé. Voilà, j'ai rallumé le téléphone et je le présente à nouveau au niveau de la borne. Et voilà, hop, ça s'ouvre directement. Et franchement, c'est vraiment pratique et rapide. Alors, pour que le Pass Navigo soit effectif sur votre téléphone Android ou sur votre iPhone, il faudra télécharger l'application IDF Mobilité, hein, parce que c'est par là que le Pass Navigo passe, que ce soit sur Android ou sur iPhone. Quoique sur l'iPhone, après, on pourra le rajouter dans Wallet et vous l'aurez directement. Et ça va fonctionner aussi avec votre Apple Watch. Du coup, comme j'ai un iPhone aussi, au passage, j'ai mis des tickets dessus pour faire un test directement sur l'iPhone. Hein. Faudra juste appuyer sur payer, taper le code et hop, c'est validé. Hein. Il y a marqué approcher du lecteur et ça fonctionne exactement pareil. Voilà. Et cette fois-ci, on continue le test, mais cette fois-ci avec l'iPhone. Hop, vous voyez, c'est validé, ça fonctionne super bien. Le titre a été validé. À l'occurrence, vous recevez une petite notification sur votre iPhone pour vous dire que votre titre a été validé et le type de transport que vous avez pris. Franchement, pour moi, ça fonctionne super bien. Mais j'ai une petite préférence sur iPhone, puisque sur iPhone, il faut taper un petit code de sécurité, votre code d'iPhone, pour valider le titre. On touche à la fin de cette vidéo. Et vous pouvez avoir le titre Navigo directement sur votre Apple Watch ou bien sur votre Galaxy Watch si vous avez un Samsung. C'est encore plus stylé que d'avoir sur le téléphone. Mais à l'occurrence, moi, comme je l'ai mis sur le Samsung, bah, je ne l'ai pas mis sur mon Apple Watch. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao !